méditation d'ancrage à la terre et au ciel. Cette méditation vous est proposée par Valérie Thibault de Lumière de l'âme. Il est véritablement très important de vous ancrer quotidiennement à la terre et au ciel, afin de vous trouver dans un parfait alignement tout au long de la journée. En effet, il y a de nombreux avantages à être dans cet alignement vertical. Ne pas laisser votre mental vous diriger. Rester dans l'instant présent. Vous sentir soutenu par la vie et plus en paix. Avoir plus d'énergie et se sentir moins dispersé ne sont que quelques-uns des bénéfices de l'ancrage. Il est préférable de pratiquer cette méditation en position assise, sur une chaise, les deux pieds bien à plat sur le sol. Trouvez votre position pour être le plus confortable possible. Au besoin, mettez un coussin derrière votre dos pour le garder bien droit. Posez délicatement vos mains sur vos cuisses et commencez à prendre de profondes respirations. Inspirez et expirez complètement. Placez votre conscience sur votre souffle. Voyez votre ventre se soulever et se rabaisser à chacune de vos respirations. Vous amenez plus de détente en vous. Vous inspirez et vous expirez. Si une pensée apparaît, laissez-la passer. Ne vous y accrochez pas et revenez sur votre respiration. Vous commencez à vous intérioriser. Portez votre attention sur votre tête. Vous détendez les muscles de votre front, de vos yeux, de la bouche. Vous détendez les muscles de vos oreilles. Vous détendez votre nuque, vos épaules. Les muscles de vos bras se détendent également. Vos mains se posent. Continuez de passer en revue le reste de votre corps, votre torse, vos fesses se détendent, puis la détente parvient jusqu'à vos jambes, vos genoux, vos mollets et jusqu'au bout des pieds. Votre corps a à présent parfaitement trouvé sa place. Plus rien ne bouge. Placez votre conscience au centre de votre chakra du cœur, au milieu de votre poitrine,
et imaginez-vous au cœur d'une merveilleuse forêt, juste à côté d'un chêne immense. Ressentez le lien énergétique et le lien d'amour qui s'établit entre cet arbre et vous. Vous allez lui demander la permission de planter vos racines à côté des siennes. Cet arbre majestueux va vous montrer le chemin pour que vous puissiez vous rendre jusqu'au cœur de terre-mère. Alors faites pousser vos racines depuis votre premier chakra et depuis le dessous de vos pieds également. Voyez comme vos racines sont larges et puissantes. Elles se mêlent aux racines de votre arbre. Suivez-les dans les profondeurs de Gaïa. À mesure que vous vous enracinez, vous pouvez ressentir la fraîcheur de la terre. Continuez de descendre plus profondément. Vous passez maintenant plusieurs strates de pierre, de roche, mais rien n'arrête vos racines. Et vous vous enfoncez encore plus profondément. Aucun obstacle ne peut entraver votre progression, tout comme les racines de cet arbre qui va au plus loin rechercher l'énergie d'amour de terre-mère. Alors vous continuez à pousser en repoussant toutes les limitations, même celle brûlante de la lave en fusion, jusqu'à ce que vous arriviez au cœur de la terre, dans le cœur de cristal de Gaïa. Alors qu'enfin vos racines parviennent en son centre, voyez les deux mains éthériques de Gaïa accueillir vos racines pour les ancrer solidement à son cœur cristallin. Vous voilà fermement accroché. Terre-mère peut maintenant vous transmettre sa belle énergie. Et sa lumière remonte. Elle remonte à toute vitesse dans vos racines. Son énergie d'amour arrive à vos pieds. Elle se diffuse dans vos jambes, dans votre bassin. Remonte dans votre poitrine et inonde votre cœur. Ressentez son énergie tellurique qui se répand dans tout votre corps. Ressentez l'amour de terre-mère et prenez un instant pour apprécier cela.
remercier Terre Mère d'être bien dans votre vie, dans votre incarnation, d'être en sécurité et protégé. Maintenant, placez votre conscience dans votre chakra couronne. Est-tel l'arbre magnifique à vos côtés qui s'abreuve de la lumière divine par ses branches et son feuillage? Vous allez imaginer que des milliers de filaments partent depuis votre tête en direction du ciel, tels des faisceaux de lumière. Et ces filaments grandissent et grandissent encore, formant un large canal de lumière qui monte si haut qu'il passe à travers des millions d'étoiles en direction de la lumière du Père. Et vous vous rapprochez toujours plus de son grand soleil central qui est la plus lumineuse des lumières. Voyez comme le Père vous accueille. Tout comme Gaïa, il vous tend les bras et à son contact, c'est une véritable pluie de lumière divine qui redescend dans votre canal. La lumière du Père entre par votre chakra coronal et va illuminer chacun de vos chakras. Puis elle se répand dans votre cœur et inonde tous vos corps, tous vos organes et toutes vos cellules. Remercie également le Père Céleste d'avoir partagé ces énergies avec vous. Remerciez votre âme, votre présence Je suis, pour cette connexion avec le divin. Vous êtes entièrement baigné par les énergies d'amour du Père et de la Mère. Vous voilà dans un parfait alignement. Vous êtes relié au ciel et à la terre et au ciel. Alors soyez simplement dans le ressenti de ces énergies bienveillantes. Profitez de cette reliance, car elle est ce que vous êtes, enfant de la terre et enfant du ciel. Je vous laisse un instant dans le silence de votre cœur.
tranquillement, replacez votre conscience à l'extérieur de vous. Prenez une profonde inspiration. Vous pouvez à présent commencer votre journée en étant dans un parfait alignement. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si vous avez aimé cette méditation, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo. À bientôt.